Bonjour et bienvenue. Après le succès qu'on a eu avec Vigil en critique, je voulais retenter l'expérience. Alors on pourrait faire une petite série, genre Vigil fait toutes les missions de toutes les zones en critique, ça pourrait être marrant. Mais j'avais envie de tester en fait un autre perso et un autre agent. Et je pense que Chaque action façonne nos chances de victoire. Fuse pourrait être drôle. Le but du jeu, ça va pas vraiment être de s'infiltrer, enfin en douceur cette fois, c'est pas comme Vigil. Ça va plutôt être de tuer tout le monde, en gros, avec les mines et tout ça, voir un peu comment ça se passe, si je peux faire ça en tout cas. Car rappelez-vous, si tout le monde est mort, ça reste quand même une infiltration. Voilà. Donc on va tenter ça. Donc on va faire exactement la même map en critique, c'est parti. On va déjà voir ce qu'on a à faire. Alors, biopsie, triangulation. Ok. Et portail. Oh. C'est bête que le portail, c'est pas vraiment intéressant. C'est pas vraiment. Enfin, c'est un peu zapper un endroit et après on va avoir un combat. J'espère qu'il fera pas trop mal Si j'attaque, c'est à mes conditions. le machin. Par contre, qu'est-ce qu'on va prendre? Je pense qu'on va peut-être prendre le AK-12 à la place de ça. Je suis pas trop sûr en fait. C'est un fusil à pompe. Ah, quoique non, vu qu'on va combattre l'autre, on a besoin de puissance de feu. Donc on va garder ça pour les dégâts. Sinon, avant ça, c'est de la biopsie et de la triangulation. Donc du coup, il me faudrait des grenades paralysantes. Ouais. Et on va prendre la protection corporelle pour un peu plus de résistance. C'est parti. Donc, c'est bête. Honnêtement, c'est bête parce que le troisième, ça zappe un peu un niveau. Je voulais vraiment pas avoir un portail. Mais bon, c'est pas grave. On va voir. Et après, j'ai l'impression peut-être que ça va être un peu compliqué, qu'il va faire trop mal et je vais peut-être. Ah oui, j'ai ça en mutation. Merde. Nos chercheurs ont besoin d'échantillons d'archéens. Ils parlent de structures cellulaires en constante mutation. Oui, oui, oui. Votre oui. Cible est dans cette sous-zone. Mais attends, je vais peut-être. Tu utilises un produit chimique corrosif et un composant physique pour dissoudre et progresser à travers le cycle. Ah. C'est quoi ça, c'est un dard? L'ordre est annulé. Non, je voulais pas changer de. Merci. C'est très bien. Ici, cet endroit est un peu relou, car il y a beaucoup en fait d'endroits où les ennemis peuvent vous voir de loin, parce qu'il y a des balcons et tout ça. Matériel React dispo. Matériel React, on va y aller. Si on n'avait pas une biopsie à faire, j'aurais pris genre des claymores et tout. J'aurais. Oh bonjour. Non, on peut pas. Ah si, attends, je peux faire de reconnaissance, utilisez-le pour localiser. On a vu ou pas? En place. On va placer ça là, charge juste au cas où. Prête. Parce que oui, même si on a des portes qui se ferment pas, on peut complètement faire ça. Ouais, on est bon. Et ouais. C'est une technique. C'est une technique. Donc du coup, Fuse devient assez intéressant. J'ai l'impression que les avis sur Fuse sont un peu mitigés. Genre, il y en a qui disent que c'est un perso pour... genre des objectifs. Parce que, après, on va dire qu'il y a des agents pour objectifs. Il y a des agents pour objectifs et il y a des agents pour combat, on va dire en gros.
Beaucoup pensent que fuse, c'est pour objectif. Je pense que fuse est plus objectif que combat. Merde, c'était quoi ça? Ok. Mais je pense qu'en combat, ça peut être très intéressant par rapport au... par rapport aux mines, elles font extrêmement mal. Elles sont pas extrêmement dures à placer. Du coup, je pense que ça peut être pas mal pour détruire. Comme j'ai un peu expliqué, on va dire, sur ma vidéo, quand j'ai classé Fuse, en disant qu'il peut quand même résoudre pas mal de problèmes. Il fait du bruit. Oh. Voilà votre cible. Ah bah, il est là. Avec votre lame react. Activation de l'objectif. Okay. L'artiste frappe encore une fois. Vous savez que nos chercheurs vous adorent. Il peut en fait résoudre pas mal de problèmes en faisant beaucoup de dégâts très vite en fait. Dans un endroit. Genre pour les tourmenteurs. Je sais pas par contre. Ah oui, un truc faudrait que je teste, c'est les alphas. Est-ce qu'il peut tuer... Ces pointes ressemblent à des branches d'arbres. Elles essaient de l'imiter. Est-ce qu'il peut tuer des alphas avec une charge? Ça, c'est un truc que je voudrais savoir. Faudrait que je teste. Faudrait absolument que je teste. Passez à la sous-zone suivante. Y a plus rien d'intéressant ici. Bah, on est pas mal. C'est quoi ça? Une recharge là. Est-ce qu'on peut... Non, sur les fenêtres on peut pas. Ça aurait été cool. Tu m'as pas vu, ça va. Wow, regardez ça! Stylé, hein. Touche pas. Stylé le monsieur. C'est pris pour Spider-Man. C'est très très tranquille pour le moment. J'aime beaucoup aussi son pistolet. Il est russe, hein, Fuse, je crois. Hein. J'aime beaucoup son pistolet, enfin la mire, elle est très précise, je trouve, comparé à certains. Là, du coup, on n'a même pas utilisé son habilité pour le moment. Et il est très très stable. Il n'y a quasiment aucun recul. Ok, il n'y a personne dedans. C'est franchement bien. Continuez comme ça dans la prochaine sous-zone. Ah mais j'avoue, hein, c'est franchement bien. J'avoue que là, nickel, hein, y a rien à dire. Hein. Ça se passe très bien. Ils me mettent pas vraiment... Il n'y a pas d'alpha. Ça le truc. Il n'y a pas d'alpha pour le moment. Donc ça c'est quoi? Triangulation. Ouais. Triangulation par contre là on va... Par nos scientifiques pour analyser et dissiper les ondes sismiques. J'ai vu un truc en l'air. Ah il y a un truc en l'air. Charge à son mission armée.
J'ai envie de voir ce que ça peut faire. On va voir. On peut fermer ou pas? On peut pas fermer. Activation de la charge à soumission. On va voir combien de dégâts ça. Je pense pas que ça soit très très bien placé. Mais ouais non, c'est pas très bien placé. On a quoi, 13 minutes pour vider la map en gros? C'est bête, j'aurais bien voulu que ça revient tellement vite. C'est quoi, c'est 40 secondes ou 60 secondes peut-être? Attends, je voudrais bien me les faire. Chaque fois, ce putain de mannequin là. Chaque fois, je crois que c'est un tourmenteur ou un alpha qui est juste là. Charge à sous-munition déployée. C'est quoi ça? Mise à feu de la charge à sous-munition. Charge à sous-munition en place. Pas à peine de gueuler, pas à peine de gueuler. Détonation de la charge à sous-munition. Ça le touche de là? Ah, ça le touche, hein. Ça l'a même tué. Tout va bien. Faudrait qu'il vienne vers moi maintenant. Après on le paralyse et on le tue. Je l'ai vu. Charge à sous-munition en place. Et il bouge. Il est où ce con? C'en est une, mais vous devez commencer par la première. Ouais, il est parti. Il doit être. Par contre, j'ai peur qu'il soit en haut. Je crois qu'on est bon. Non, on n'est pas bon. Non, on est bon. On est bon. Je vois des munitions. Ça c'est pas activé. C'est marrant, honnêtement, c'est marrant, tout ça. Marrant de jouer comme ça. Je trouve ça cool.
on a la C. Il faut faire un chemin en fait entre le A et B et C. On va prendre un petit bout de temps, mais. Ok, déjà là on peut sortir facilement. Cet immeuble a été bâti à la même époque que la statue. Cela veut dire que leur structure doit partager certains matériaux. Ok, très bien. Par contre, on a un tourmenteur. Il arrive vers où, gauche ou droite ? Là énervé, mais peut-être pas. On a ni là. Ça, c'est pour que je puisse réutiliser ma charge si besoin est. Charge à sous-munition. Ok. Je pense pas qu'on ait des nids. Alerté là, je pense qu'on est bon. Je mets un tout petit peu trop de temps en fait pour paralyser. Genre, il faut une fraction de seconde de plus. Par contre, il y a 2-3 ennemis qui sont venus, il n'y a pas de nid qui traîne. Je pense pas. Non, il n'y a pas de bruit, rien, il n'y a pas de mousse. Ok. J'ai vu qu'on avait du soin. Bon alors ça c'est la C. On annule l'ordre en cours. A. On va aller prendre le soin. Sonne au mauvais moment. Donc A, C. Je dirais la B là-bas peut-être. Ah bah oui, oui, sûrement. Ouais. On va passer par là. Ok, on est bon. Un tourmenteur qui se balade. Ok, il est juste là.
Merde, il est au-dessus, c'est ça. Activation du dispositif. L'arc a été supprimé. Ok. Bon bah je crois qu'on est bon. Donc A, B et C. J'entends des bruits de pas. Vous allez vous retrouver en sécurité par les archéens. Parfait. Dirigez-vous vers la station suivante. Parfait. Lancement de la procédure de stabilisation. Nos scientifiques vont perturber la propagation. Par contre, Fuse va être un peu inutile contre le boss. Enfin, ouais, faudrait que je le mette peut-être dans les bâtiments. Peut-être que je peux lui mettre toutes mes mines à un moment. On verra ça. Allez, oh, putain de merde. Je crois qu'à une minute, il commence à apparaître les monstres, non ? Je crois qu'après, à une minute, je crois qu'il se passe des choses. Genre, ouais, apparition de monstres sans arrêt ou un truc comme ça. Je me rappelle avoir vu ça quand on était à 3. Ouais, les boosts. Bon, ça, nickel. Nickel, nickel. Là, j'aurais bien voulu avoir une mission normale, par contre, j'avoue. Encore une fois. Hein. Protéin. Faut trouver le portail, on essaye de trouver le portail le plus rapidement possible et de d'enchaîner. On pense que des clients se sont retrouvés piégés avant l'évacuation. Seulement on n'a pas retrouvé de reste. Ils ont été absorbés. Sûrement. Ma grenade paralysante de prête. C'est un tourmenteur. Après, est-ce que si on paralyse un tourmenteur... Charge à sous-munition armée. Activation de la charge à sous-munition. Si on paralyse un tourmenteur et qu'il nous est pas encore vu, est-ce que, une fois qu'il est plus paralysé, est-ce qu'il va être en alerte? Ah putain, les trucs, quoi, c'est horrible. Est-ce qu'il va être en alerte? Ça, je me suis toujours demandé. Recharge. Charge à sous-munition déployée.
charge à sous-munition déployée. Activation de la charge à sous-munition. Merde. Rechargement. Pas mal, pas mal. Ah putain, de bambou à la con, quoi. J'entends un tourmenteur. Charge à sous-munition activée. Charge à sous-munition prête! Détonation de la charge à sous-munition. Charge à sous-munition en place. On attend. Est-ce que d'autres vont se ramener? Je pense qu'on est bon. Encore un tourmenteur qui se balade. Je vais me faire choper pendant que je suis en train de passer le balai. Ça aussi, ça m'arrive, faut que je fasse attention. Je me concentre trop à passer le balai en fait. Charge à sous-munition armée. Tourmenteur mort. Je recharge. On va attendre 2, 3, go. Mise à feu de la charge à sous-munition. Écorcheur, écorcheur, très bien. C'est quoi ce qu'on entend? On entend encore une sorte d'un nid peut-être? Il doit être en dessous, au-dessus, je sais pas. On entend un truc qui marche. Charge à sous-munition prête. Ah, ça c'est pas fun ça. Oh. Oh. On passe. Là, on avait un gros pactole par contre, si je mettais une autre sous-charge. Enfin, une charge à sous-munition. Je vais avoir du mal à prononcer ça à chaque fois. Mais bon, faut qu'on avance. Bon, je dirais vers l'extraction. Allez, on y va. On a des trucs, déjà pas mal de trucs, on va y aller, on a 7 minutes encore. Honnêtement, en 7 minutes, on a le temps encore. Mais bon, il va falloir avancer à un moment ou à un autre.
marche. Tourmenteur. Ça, c'est réglé. Tourmenteur. Il m'a entendu crier, je crois, sur la bouffe. Si je dis pas de bêtises. Il a rushé en fait dans ma position. Donc je dirais qu'il m'a entendu crier. Bon, là je vais être honnête, il doit plus rester grand chose hein, sur la map. On est d'accord. Ah. Vous transporter dans un autre. Elle était juste à côté. On sait pas vraiment où, en fait. Ça veut dire qu'on peut partir et on va combattre un putain d'extraterrestre. Allez, c'est parti. C'est pas mal là, marrant. Fuse est bien, moi j'aime bien Fuse, hein. Il faut avoir l'opportunité de l'utiliser, hein, mais il peut vraiment vider des salles et tout et faire un bon bordel. Comme j'ai dit, hein, s'il n'y a pas de témoin, on est toujours caché. Non, on n'a pas besoin. Par contre, il va arriver d'où là ? Ok, je le vois pas. Charge à soumission armée. Là, je crois qu'il va exploser là, non? Ah non, il met un bouclier. Détonation de la charge à soumission. Pas mal, pas mal, pas mal. Dispositif de... Charge à sous-munition en place. Activation de la charge à sous-munition. Ok. Quoi, moitié de vie, il nous reste 7 minutes, ça va. Recharge vite.
Ok, bien. Il m'a détruit ma charge, je crois. Que dalle. Pourquoi c'est flou? C'est bon, on l'a eu. Bon, bah ça va, c'était pas très... On était bien en critique. Ça va. Honnêtement, je trouve que la difficulté, elle est bien dosée. Qu'on joue en solo, à 2, à 3. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très bien dosé. Parce que même le protéin, là, il a pas trop de vie. C'est pas eu trop une éponge. Parce que bon, je suis que seul. Hein, je suis complètement seul. Si je me prends trop de baf, je peux quitter la mission. Parce que je vais me faire tuer. Enfin, je me fais tuer du coup, je peux pas quitter. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, si on n'a pas assez de soins sur le terrain et que je me prends trop de dégâts, genre ces dégâts sont pas décuplés alors que je suis seul, nous on lui fait assez de dégâts, alors on est seul, il a pas trop de PV parce qu'on est seul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très bien balancé, je trouve. C'est très 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 bien balancé. À chaque fois. Donc ouais. Bah c'était Fuse solo critique sur New York. On va peut-être en faire de temps en temps comme ça, genre peut-être avec tous les persos au fur et à mesure, je sais pas, ouais, pourquoi pas, ça peut être marrant. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, et à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.